Allez, on enchaîne avec la machine à sous, 5 Lucky Lions. Alors, on va encaisser cash les Miss Maxi. Alors, Miss Maxi, Miss Maxi. Allez, 88, c'est parti. Ah, 400 balles d'entrée. Bon, toujours en mode spin rapide. Alors, jolie série de spins perdants d'entrée. Un petit win à 400, puis le jeu en a bouffé 800. Alors 3900, c'était la balance de départ, 28900, j'ai bouffé 2000 balles. J'espère que ça va pas prendre une plombe avant que le jeu me balance les free spins. Bon, on sait très bien que des fois il faut jouer pendant une plombe avant que les symboles se manifestent. Alors le 5 Lucky Lion, qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Il est en train de tout refiler au casino. Alors 970 de win ici. Alors, petit big win. On a fait une remontée à 29 000 boules quand même. Pas que ce que j'attends c'est que le jeu me ponde les scatters, mais bon, ça bien sûr c'est peut-être pour eux pas tout de suite. Alors les mises maxi, c'est clair que quand ça rack ça paye du lourd, mais bon, quand ça paye que dalle, se fait défoncer la balance, mais à une vitesse c'est relativement impressionnant. Allez, chiffre 27 pour la balance.
Ouais, les scatters, à part montrer un seul ou deux éventuellement. Déjà qu'ils sont rares à voir. Il ne veut pas nous balancer le troisième. La balance elle a dégringolé sur un chiffre 26. Alors que va-t-il se passer pour la suite? Remontée ou redescente? Bon, ben là de 26, je pense qu'on va passer à 25 dans pas longtemps. Voilà, ça y est, on y est. Alors les 3 scatters, bon, ben, la chance du débutant, c'est apparemment pas tous les jours. De toute façon, avec ce genre de jeu, je me fais pas trop d'illusions. Tôt ou tard, je me prendrai torchade sur torchade. Donc, tôt ou tard, faudra dire au revoir aux machines à sous. Alors, c'est bien beau de risquer avec les mises maxi. Un petit x100 par exemple, là, ça rapporterait 8800 balles. Mais bon, déjà que de gagner un x100, c'est pas facile. Alors, est-ce qu'on va faire 24-23 ou est-ce qu'on va faire se taper une remontée entre temps? Moi, je miserais plutôt sur le 24-23. Et voilà, apparemment, j'avais raison. Alors, est-ce qu'il va me prendre les 3 scatters de ces 4? Après la jolie série de parties chanceuses, là il semblerait que ce soit tendance inversée. Alors c'est un peu comme la courbe du CAC 40, la courbe des placements boursiers, des fois il y a des hauts, des fois il y a des bas. Donc là on s'était tapé avec les wins, la courbe vers le haut, puis là il semblerait que ce soit la redescente vers le bas. Alors 22, ok. Qu'est-ce qui va me pondre ces 3 scatters? Ça va être encore une belle vidéo, une jolie vidéo à aller dans la playlist de parties perdantes de machine à sous. Voilà, encore toutes mes parties perdantes, elles sont pas dans ce playlist. Ouais, je suis un peu enrhumé là. Je disais, il y a bien, bien plus de parties perdantes que celles qu'il y a dans la playlist. C'est clair qu'il y en a pas mal que j'ai pas ajouté dedans.
Alors, je crois qu'on est parti pour perdre le chiffre 2, qui va se transformer dans un chiffre 1 dans pas longtemps. Alors, il y a un petit win à 400 balles tout à l'heure, petite remontée. Mais je pense que c'est que retarder l'échéance. Les 3 scatters, le petit rail les a raqués. Ok, 2500, ok. Ouf, opération sauvetage. Alors. Bon, on va prendre. Allez, celui-là. Ça va être les free games du rat, c'est-à-dire celles qui payent que dalle. Les free games qui vont raquer du lourd. Bon, de toute façon, après ça, arrête partie direct, on se barre donc. J'avais quand même commencé à 30 900. Allez, lion jaune, jaune cocu égale chance. Faut pas que ma chérie entende ça, elle va râler sinon. Eh ben non, pas de big win. Petite cacahuète ici. On est bientôt un x10 par rapport à la mise, mais bon, c'est pas énorme. Alors, big pépette. Hein, big pépette de combien? 1200. Quand les rouleaux y tournent, on voit beaucoup de lions passer, mais quand les rouleaux s'arrêtent, il n'en reste plus beaucoup. Mais comment ça se fait que c'est bizarre? Ben non, c'est pas bizarre, c'est logique. Et voilà, plein de lions qui sont passés. Et 1, 2, 3, 4, 5 qui sont arrêtés. Petit win. Trois free games de restante, encore un petit big win qui va flasher peut-être. Alors 560, 3334 quand même. Mais vu qu'on s'est bien fait défoncer le solde, pas de bénéf au final, on va voir sur celui-là, ouais, pas grand-chose. 3384 de récupérer. Alors on remonte du coup à 23 688. Donc le grand winner c'est le casino, vu que j'avais commencé à 30 000 balles, 30 900. Ah, ok, pas évident du tout, tendu du slip. Bon, et sur ce, arrête partie directe, petite pause, éventuellement un petit peu plus tard ranquer sur d'autres jeux. Espérons en tout cas pouvoir garder le chiffre 2 ici, mais ça va pas être gagné. Il semblerait que la chance soit barrée, que la torchade soit de retour.